Ce journal vous est offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous avez choisi BC Télévision pour vous informer. Très bon choix, le sommaire de votre journal. Un ouf de soulagement pour les Congolais. Le gouvernement russe a approuvé un projet d'accord militaire avec la République démocratique du Congo. Kinshasa, le vice-gouverneur de la ville Gérard Moulumba dit « Gécoco a démissionné de son poste ». Les raisons vous seront données dans ce journal. Quelles sont les vertus de la mangue, l'un des fruits les plus consommés en République démocratique du Congo? La réponse dans un instant. Tout d'abord, le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue du Qatar ont pris la décision d'approfondir les relations bilatérales entre Kinshasa et les Doha. Ceci étant le deuxième voyage du président congolais à Doha, les deux chefs d'État ont profité de cette occasion pour passer en revue le protocole d'accord signé en mars 2021 avec les deux pays qui portaient sur la modernisation, les développements, les infrastructures aéroportuaires et d'autres, la presse présidentielle. Poignée de main, accolade et sourire. Le ton est donné dès les premiers instants. Cette rencontre au sommet se tient sur le mode de la convivialité. Entre le président Félix Tshisekedi et le cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, émir du Qatar, le courant passe bien. Les deux dirigeants s'apprécient mutuellement. Leur tête-à-tête a duré plus d'une heure. Il a été suivi d'une séance de travail avec leurs délégations respectives. L'objectif était clair, faire le point sur les accords passés signés entre la RDC et le Qatar pour enfin les rendre concrets. Il y a deux ans, nous avons signé une série d'accords avec le gouvernement qatari. La première étape, du moins chez nous, a été terminée, l'étape, si vous voulez, de la validation parlementaire. Ce qu'on appelle techniquement la ratification. Nous avons déposé des instruments de ratification comme de règles en la matière. De ce côté-ci, l'ambassadeur est allé déposer au ministère des Affaires étrangères. Donc il était temps que nous puissions faire le point de la coopération et surtout le point de la mise en œuvre d'un ensemble de projets que nous avons convenus. Au final, des avancées concrètes ont été faites dans les secteurs utiles pour le développement de la RDC, notamment le transport aérien et les infrastructures. La convention que nous avons signée accordant le droit de trafic à Qatar Airways, nous avons souhaité que d'ici au plus tard au mois de juin, que cette convention soit déjà en application et mon collègue a promis que dans les jours à venir, ils vont donner des précisions en termes de calendrier. Le deuxième accord, la deuxième convention est relative au port de Matadi et là il y avait une série de formalités, d'actes de suivi qui devait être accompli. De notre côté, tout a été fait et je pense que avant, en tout cas la fin de l'année, le travail va commencer pour la modernisation du port de Matadi. Dans l'eau, si c'est clair, l'argent est là. Et puis il y a le problème de l'aéroport, la construction de l'aéroport de Djili. Bon, on s'est échangé des informations. Il doit y avoir par la suite des discussions qui vont continuer d'harmonisation pour voir, mais là aussi, il y a des signaux qui sont positifs. Le Qatar se profile ainsi comme un futur partenaire stratégique du Congo. Voilà pourquoi le chef de l'État a décidé, il y a un peu plus d'un an, d'y installer une représentation diplomatique qui vient d'inaugurer son ambassade, flambant neuve. Le président Tshisekedi a quitté le Qatar en fin de journée pour rentrer au pays. –
Je l'ai annoncé au sommaire, le gouvernement russe a approuvé un projet d'accord de coopération militaire avec la République démocratique du Congo, présenté par le ministère russe de la Défense en coordination avec le ministère russe des Affaires étrangères et d'autres organes exécutifs fédéraux concernés, indique le document cité par l'agence étatique TASS. Notons que cet accord prévoit l'organisation d'exercices conjoints, la participation et le suivi des exercices, l'invitation des agences compétentes de visite de navires de guerre et tant d'autres. Prenons à présent cette nouvelle. Jokoko Mulumba, vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, a dans une note circulaire dont une copie est parvenue ce matin à la rédaction de BSC Télévision, officiellement annoncé sa démission de ses fonctions. Roger Matadi. C'est dans les soucis d'éviter les cumuls des fonctions que le désormais ancien vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa vient de démissionner de ses fonctions. Dans sa lettre de démission envoyée au président du bureau d'âge de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Jokoko Mulumba motive clairement sa démission, je cite, « Ayant été élu député provincial de la ville de Kinshasa aux élections de décembre 2023, et conformément aux dispositions pertinentes de l'article 108.9 de la Constitution, j'ai démissionné de mes fonctions de vice-gouverneur de la ville de Kinshasa », a-t-on lu dans sa lettre de démission. En bref et en images, la Cour constitutionnelle a autorisé mardi 5 mars les anciens députés de territoire de Rutshuru, Masisi et Kouamount à siéger à l'Assemblée nationale. Cette autorisation court jusqu'à la tenue de nouvelles élections dans ces contrées en proie de l'insécurité. Dans son arrêt, la Cour constitutionnelle a précisé qu'il s'agit ici des élus de la législature de 2018 à 2023. Entre-temps, cette institution d'appui à la démocratie avait fixé au 5 octobre prochain la tenue des élections législatives dans ces trois territoires. Elle avait publié également mercredi 31 janvier 2024 son calendrier réaménagé du processus électoral 2022-2027. L'enrôlement des électeurs dans ces entités interviendra du 1er au 20 juillet prochain, suivi de la campagne électorale d'un mois avant la tenue de ces scrutins. À l'EPST, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwabakazadi, a lancé la première édition du recrutement des enseignants et la promotion des directeurs des établissements scolaires primaires publics sur concours. C'était les mardis 5 mars dernier à Liti Njili. Suivez. C'est à Liti Njili que le patron de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwabakazadi, a donné le go pour le recrutement des enseignants et la promotion des directeurs des établissements scolaires primaires publics sur concours. Une première dans l'histoire de l'enseignement en République démocratique du Congo. Le professeur Tony Mwabakazadi a fait savoir à la presse que cette initiative est prise dans les soucis d'améliorer la qualité de l'enseignement. Jusqu'ici, le recrutement des enseignants s'est fait sur base de critères subjectifs de façon aléatoire, ne rassurant aucunement la qualité de l'enseignement qu'il faut assurer à l'endroit de nos enfants. Aujourd'hui, le ministère de l'EPST va passer à l'autre phase dans le cadre de son redressement avec l'appui de la Banque mondiale et l'exécution du projet PERS dans le lancement de la première édition du recrutement des enseignants sur base du concours pour nous rassurer de la qualification d'un enseignant avant qu'il ne soit recruté et placé devant les enfants. Signalons que cette initiative ne concerne pas seulement les écoles publiques, mais aussi les établissements scolaires privés, a renchéri le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwabakazadi. Entre-temps, les forces armées de la République démocratique du Congo déplorent la mort de 7 personnes tuées dans les nouveaux affrontements entre les milices Kobeko et Zaïre dans la journée d'hier 5 mars 2024 en territoire de Djougou. Nous sommes dans la province de l'Ituri. Roger Matadi. Les victimes ont trouvé la mort lors des affrontements entre la milice Kodeko et Zaïre
vers les lacs Albert. D'après les porte-parole du secteur opérationnel Ituri qui nous a livré cette information, la pomme des discordes serait l'exploitation des nouveaux sites miniers. Entre la milice Codeco et Zaïre en Bangui, nous déplorons encore ces comportements où nous venons encore de perdre de jeunes Congolais qui pouvaient être utiles pour la province de l'Ituri. Mais à cause de ces comportements, nous venons de perdre 7 jeunes Congolais dans ces affrontements. De part et d'autre, encore une fois de plus, le jeune Congolais itourien se sont entretués entre eux pour des raisons inavouées. Gilles Ngongo rappelle en même temps que les Congolais ne doivent pas s'entretuer. Les seuls ennemis que les Congolais ont en commun, c'est les M23. Et les Rwandais. Cessons de faire le travail du Rwanda et du M23, ce travail qui consiste à exterminer le peuple congolais, un travail qui consiste à appauvrir le peuple congolais. Et si nous, le peuple itourien, le jeune itourien, nous entretuons, c'est faire du travail du M23. Nous rappelons encore une fois les uns aux autres que notre ennemi commun, c'est le M23 et les Rwandais qui cherchent à détruire notre Congo. Et nous devons aussi les détruire méchamment avec le peuple congolais. Cet incident a provoqué les déplacements par pirogue vers Chomia et Muvarama des nombreuses familles d'Mbonji. La société civile locale appelle l'armée à se déployer dans cette zone afin d'y imposer l'autorité de l'État. Parfumée, riche en minéraux et en vitamines, la mangue est un fruit exotique aux nombreuses vertus et bien-être. Quelle est l'origine et l'histoire de la mangue? Comment profiter des bienfaits de ces fruits? Le réponse dans cet élément de Roger Matadi. La mangue trouve ses origines dans les régions tropicales du sous-continent indien, plus précisément dans les régions situées à l'est de l'Inde et du Myanmar, anciennement la Birmanie. Elle pousse sur les manguiers, c'est un arbre tropical au feuillage persistant et il est considéré comme un symbole de prospérité et de fertilité dans certaines régions comme l'Inde et la Thaïlande. On peut trouver aujourd'hui ces fruits exotiques dans tous les pays tropicaux du monde. Il s'est répandu au-delà de ses terres d'origine grâce aux échanges commerciaux et aux voyages. De plus, d'autres variétés de mangues sont apparues et chacune d'elles a sa propre forme, couleur et un goût spécial. Depuis, ces fruits sont très appréciés à travers le monde. Non seulement ces fruits sont délicieusement bons, mais ils offrent une gamme de bienfaits et des vertus pour la santé grâce à son apport nutritionnel et à ses composés bioactifs. La mangue peut fournir de la vitamine C et A qui aide notamment à neutraliser les radicaux libres dans les corps et participe ainsi à la réduction des dommages cellulaires et par la même occasion soutenant les défenses immunitaires. La mangue est une bonne source de plusieurs vitamines du groupe B, notamment la vitamine B1, B2, B3, B5, B6 et la vitamine B9. Les vitamines B sont essentielles pour de nombreuses fonctions corporelles, notamment la production d'énergie, la santé du système nerveux, la formation des globules rouges et la régulation du métabolisme. Ces fruits tropicaux sont connus pour soulager les problèmes de constipation en raison de la présence des fibres alimentaires. Un influent chef de gang haïtien a menacé mardi 5 mars d'une guerre civile sanglante si le premier ministre contesté Ariel Henry restait au pouvoir, alors que le pays pauvre des Caraïbes est en proie à de fortes violences des gangs qui contrôlent les pans entiers d'Haïti et de la capitale. Où est Ariel Henry, le premier ministre haïtien? Depuis son déplacement au Kenya, pays qui a accepté d'envoyer en Haïti une force policière, il n'est toujours pas rentré à Port-au-Prince.
Selon le média dominicain CDN, son avion privé a atterri à Porto Rico, territoire américain, après avoir décollé du New Jersey sur la côte est des États-Unis et s'être vu refuser un atterrissage en République dominicaine, pays voisin avec lequel les relations sont tendues. Ariel Henry est au pouvoir depuis l'assassinat en 2021 du président Jovenel Moïse. Il aurait dû quitter ses fonctions début février. En Haïti, il est attendu de pied ferme par les gangs qui veulent le renverser. Jimmy Chérizier, alias Barbecue, est l'un de leurs chefs. Pour cet ancien policier de 46 ans, visé par des sanctions de l'ONU, l'alternative est simple. Si Ariel Henry ne démissionne pas, si la communauté internationale continue à le soutenir, nous irons directement vers une guerre civile qui va déboucher sur un génocide. Nous sommes conscients que les hommes armés ont commis des actes nuisibles à la société, mais aujourd'hui, s'ils en prennent conscience et demandent pardon, je pense que la société doit leur pardonner et s'unir pour repenser à une nouvelle Haïti. Ces derniers jours, les gangs lourdement armés ont libéré des milliers de détenus et lancé des assauts violents contre l'aéroport Toussaint Louverture ou l'académie de police. Les États-Unis surveillent la situation. Nous travaillons avec des partenaires internationaux et le Congrès pour fournir un soutien immédiat à la police haïtienne et déployer la mission multinationale de soutien à la sécurité de toute urgence. Selon l'ONU, les violences ont poussé 15 000 personnes à fuir Port-au-Prince. De l'aide est distribuée, mais l'appel humanitaire de 620 millions d'euros de cette année pour Haïti n'est financé qu'à 2,5%. Le Conseil de sécurité doit se réunir ce mercredi à huis clos pour évoquer les crises politiques, sécuritaires, humanitaires qui accablent ce petit pays des Caraïbes, le plus pauvre des Amériques. Place à présent au rappel de principaux titres. Vous avez suivi dans ces journaux comment le gouvernement russe a approuvé un projet d'accord militaire avec la République démocratique du Congo. Le vice-gouverneur de la ville, Gérard Moulumba, dit Djekoko a démissionné à ses postes. La raison vous a été donnée dans ces journaux. Quelles sont les vertus de la mangue, l'un des fruits les plus consommés en République démocratique du Congo? La réponse, vous l'avez eue dans ces journaux. Ce journal est terminé. Messieurs, dames, merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur nos antennes. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.